Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Back to School 2018, de la première S vers la terminale S. Préparation mathématique des élèves qui vont entrer en classe de terminale S. Je vous propose un QCM avec 12 questions. Je vais lire une par une les questions. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre chaque question du QCM. Et je vous propose à la suite un corrigé du QCM. Ce sujet comporte des questions à choix multiples. Pour chaque question, une seule des quatre réponses proposées est correcte. Reportez sur la copie le numéro de la question ainsi que la lettre correspondant à la réponse choisie. Une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève aucun point. Aucune justification n'est demandée. 1. Le polynôme 4x² moins 4x plus 1. Réponse A n'a pas de racine. Réponse B a deux racines distinctes. Réponse C a une seule racine. Réponse D a trois racines distinctes. 2. Un vecteur directeur de la droite D, d'équation y moins x plus 1 est égal à 0. Et réponse A, u de coordonnées moins 1, 1. Réponse B, le vecteur v de coordonnées 1, 1. Réponse C, le vecteur w de coordonnées moins 2, 1. Réponse D, le vecteur r de coordonnées 2, 3. 3. D'après le diagramme en boîte, on peut affirmer que réponse A, q1 est égal à 2. Réponse B, la moyenne est égale à 7. Réponse C, q3 est égale à 7. Réponse D, la valeur minimale est égale à 2. 4. D'après le diagramme en boîte, l'intervalle interquartile est réponse A, l'intervalle fermé 2, 9. Réponse B, l'intervalle fermé 6, 8. Réponse C, l'intervalle fermé 6, 7. Réponse D, l'intervalle fermé 7, 8. 5. La fonction f qui a x associe 1 sur x carré moins 4x plus 1 n'est pas définie pour réponse A, x est égal à moins 4. Réponse B, x est égal à 2 moins racine de 3. Réponse C, x est égal à 2 moins racine de 5. Réponse D, x est égal à 4. 6. Soit un, la suite définie par u0 est égal à 5 et un plus 1 est égal à 3un moins 1 pour tout n appartenant à n. On peut affirmer que réponse A, un plus 1 est égal à 3n moins 1. Réponse B, un est égal à 3n moins 1. Réponse C, un est égal à 3un moins 1 moins 1. Réponse D, un est égal à 3un plus 1 moins 1. 7. On considère un carré ABCD et E, le symétrique de D par rapport à B. Que vaut le produit scalaire des vecteurs BE et AC? Réponse A, moins 2. Réponse B, moins 1. Réponse C, 0. Réponse D, 1. 8. Soit UN, la suite définie par U1 est égal à 5 et UN plus 1 est égal à 3UN moins 1. La valeur de U3 est réponse A, 5. Réponse B, 8. Réponse C, 41. Réponse D, 122. 9. On donne cosinus de 2π sur 5 est égal à racine de 5 moins 1 sur 4. Et cosinus de π sur 12 est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 4. Quelle est la valeur de cosinus de 19π sur 60 à 10 moins 3 près? Aide. Calculer sinus de 2π sur 5 et sinus de π sur 12 avant d'aborder la question. Réponse A, 0,052. Réponse B, 0,545. Réponse C, 0,837. Réponse D, 0,999. 10. On considère la grille suivante. On choisit trois points distincts dans cette grille. Quelle est la probabilité que ces trois points soient alignés? Réponse A, 3/84. Réponse B, 1/14. Réponse C, 1/21. Réponse D, 2/21. 11.
Quelle est l'équation réduite de la tangente à la courbe représentative de la fonction f qui a x associe 1 sur x en a est égal à moins 2? Réponse A, y est égal à moins 1 quart x moins 1. Réponse B, y est égal à moins 1 demi de x moins 1. Réponse C, y est égal à 1 quart de x moins 1. Réponse D, y est égal à moins 1 quart de x plus 1. 12. On considère une variable aléatoire grand X suivant la loi binomiale de paramètres 5000 et 0,8. Déterminer un intervalle de fluctuation de la forme A sur N, B sur N de la fréquence de succès au seuil de 99%. Réponse A, 0,7867-0,813. Réponse B, 0,7889-0,811. Réponse C, 0,7852-0,8144. Réponse D, 0,7906-0,8092. Alors, pour déterminer le nombre de racines dans un polynôme du second degré, donc en fait c'est le nombre de solutions de l'équation 4x² moins 4x plus 1 égale à 0. Pour connaître le nombre de racines, on utilise donc le signe de delta, le discriminant. Delta est égal à b carré moins 4ac. On sait que a est égal à 4, b est égal à moins 4, c est égal à 1. Alors, calculons le discriminant. B au carré, ça fait moins 4 au carré, moins 4 fois A4 fois 1. Donc 4 fois 4, 16. Moins 4 au carré, ça fait moins 4 fois moins 4, 16. Moins 16. 16 moins 7, ça fait 0. 0, donc delta nul. Donc il n'y a qu'une seule racine. Qu'une seule racine à ce polynôme. La racine étant donc ici x1 est égal à moins b, donc moins b sur 2a, moins b, donc moins moins 4, donc 4, sur 2a, donc 4 fois 2, 8, 1 demi. Donc, solution de cette équation, ici, 1 demi. Donc ici, la réponse, c'est la réponse C. Alors ici, un vecteur directeur de la droite D. Alors, on va prendre deux points de la droite. Et donc, un vecteur directeur sera collinéaire à ce vecteur, donc le vecteur formé par les deux points A et B. A, on va dire d'abscisse 0, donc x est égal à 0. Donc, si x est égal à 0, donc y moins 0 plus 1 doit être égal à 0. Y plus 1 est égal à 0, y est égal à moins 1. Donc, ici, A, de coordonnées 0, moins 1, appartient à la droite D, et B, d'abscisse 1, et donc ici, y moins 1 plus 1 égale à 0, y plus 0, donc moins 1 plus 1, ça fait 0, y égale à 0, donc 1, 0, appartient à D. Ainsi, vecteur AB, c'est xB moins xA, yB moins yA. Donc AB a pour coordonnées ici 1 moins 0 et 0 moins moins 1. Moins moins 1. Donc ici AB pour coordonnées 1 et donc moins moins 1 ça fait 1. Donc 1. AB 1 1. Eh bien AB est égal au vecteur V 1 1. Donc collinéaire au vecteur V avec un coefficient K est égal à 1. Donc sont égaux. Donc ici ce sera la réponse B. Réponse B. Alors, diagramme en boîte. Donc, ici, on a mine. Ici, on a Q1, la médiane. Q3 et le max. Alors, est-ce que Q1 est égal à 2? Non, Q1 est égal à 6. Est-ce que la moyenne est égale à 7? Ça, on ne sait pas. Le diagramme en boîte ne donne pas d'informations sur la moyenne. Donc, ce n'est pas la réponse B. Réponse C, Q3 est égal à 7. Non, Q3 est égal à 8. Ce n'est pas la réponse C.
C'est la réponse D. Minimum est égal à 2. Donc ici, réponse D. Alors l'intervalle interquartile, c'est I, c'est Q1, Q3. Donc on rappelle, minimum, Q1, médiane, Q3, max. Donc Q1, Q3, Q1 est égal à 6, Q1 est égal à 6, Q3 est égal à 8. Donc l'intervalle interquartile ici, c'est 6, 8, donc réponse B. Alors ici, 1 sur X est défini, si et seulement si, X différent de 0. Donc 1 sur X n'est pas défini, si et seulement si, X est égal à 0. Plus généralement, 1 sur G de X est défini si et seulement si G de X différent de 0. Donc, n'est pas défini. Donc, ce n'est pas défini si et seulement si G de X est égal à 0. Donc, ici, le dénominateur doit être non nul pour que ce soit défini. Donc, le dénominateur doit être nul pour que ce ne soit pas défini. Ainsi, x au carré moins 4x plus 1 égale à 0. Donc on va calculer les valeurs interdites de la fraction. Donc ici, résolution d'une équation du second degré. Delta b carré moins 4 au carré moins 4 fois 1 fois 1. Donc ici c'est 1. Et là on a donc a égale à 1, c est égal à 1. Moins 4 au carré, c'est 16. Moins 4 fois 1 fois 1, c'est 4. Donc 12, positif. 12 étant positif, on peut calculer la racine carrée. C'est racine de 12. Racine de 12, c'est 3 fois 4. 3 fois 4. Donc ici, on peut dire que c'est 2 racine de 3. Alors ici, x1 moins b moins racine carrée delta sur 2a. Moins b. Donc ici, moins moins 4, 4. Moins 2 racine de 3 sur 2 fois 1, donc 2 fois A c'est 2 fois 1, 2, donc c'est égal à 4 sur 2, 2, moins 2 sur 2, 1, donc il restera racine de 3, 2 moins racine de 3, x2, et bien c'est moins B plus racine carrée delta sur 2A, 4 plus 2 racine de 3 sur 2, 2 plus racine de 3. Donc la fonction f n'est pas définie pour x est égal à 2 moins racine de 3 et x est égal à 2 plus racine de 3. Alors ici on a x moins 2 racine de 3, donc ici c'est la réponse B. Donc elle n'est pas définie en x est égal à 2 moins racine de 3. Alors la suite un est donc un plus 1 est égal à 3un moins 1 pour tout n appartenant à n. On peut affirmer que un plus 1 est égal à 3n moins 1. Alors ici, ça voudrait dire que un est égal à n. C'est pas vrai, parce que déjà u0 est égal à 5. Un est égal à 3n moins 1. Alors, u0, c'est 3 fois 0 moins 1. C'est donc moins 1. C'est différent de 5. Donc ce n'est pas la réponse B. Ce n'est pas la réponse A. Ici, un est égal à 3 un moins 1 moins 1. Alors ici, on peut faire un changement d'indice en posant grand N est égal à N plus 1. Donc ici, grand N moins 1 est égal à petit n. Ainsi, UN plus 1, donc ici on a U grand N, est égal à 3 fois U grand N moins 1 moins 1. Et donc, si on remplace grand N par petit n, eh bien, oui, c'est bien réponse. Ce n'est pas la réponse D. Alors, UN plus 1 est égal à 3un moins 1. Si on veut écrire un en fonction de un plus 1, eh bien, on dit que c'est un plus 1 moins 3un est égal à 1. Donc ici, on peut dire moins 3un est égal à 1 moins un plus 1. On prend l'opposé. 3un est égal à un plus 1 moins 1. Et donc, un est égal à un plus 1 moins 1 sur 3. Donc ce n'est pas la réponse D. Donc finalement c'est la réponse C. UN est égal à 3UN moins 1 moins 1. Alors, petite figure sur GeoGebra. On va tracer donc
ici ABCD un carré, donc A 0 0, B 4 0, C 4 4, D 0 4. Un polygone A, B, C et D. Et on veut donc E symétrique de D par rapport à B. Donc on va le mettre ici. Donc symétrique centrale D, B. Et donc ici on aura E. Ici E. Ok. Voilà. Donc on veut vecteur BE et vecteur AC. Alors, pour calculer le produit scalaire, alors on pourrait bien entendu mettre un repère orthonormé, calculer avec les coordonnées, etc., etc. Mais là, il y a plus simple. Ici, on considère la droite BE et la droite AC. Remarquez que la droite AC, enfin, le segment AC, c'est la diagonale du carré, et le segment BD étant inclus sur la droite BE, donc on peut dire que donc BD, donc la droite BD, c'est aussi la droite BE. BD et AC étant les diagonales d'un carré, les diagonales sont perpendiculaires ici. Et donc BE étant le vecteur directeur de la droite BD et AC vecteur directeur de la droite AC, eh bien on peut en déduire que les deux vecteurs ici sont orthogonaux. Et donc le produit scalaire des vecteurs BE et AC est nul. Donc ici pour rédiger vecteur BE, pour le vecteur B on va le faire comme ça. Et le vecteur directeur de la droite BE ou BD, vecteur AC et le vecteur directeur de la droite AC. AC, donc ici, AC et BD étant deux diagonales du carré ABCD, AC perpendiculaire à BD. Ainsi, les vecteurs BE et AC sont orthogonaux, donc le produit scalaire est nul. Le produit scalaire est nul. Donc voilà la justification pour cette question. On en conclut que la réponse ici, c'était la réponse C. Réponse C. Alors, la suite UN définie par UN est égal à 5, UN plus 1 est égal à 3 UN moins 1. Tout N appartenant à N étoiles. Alors, ici, U3, eh bien c'est une formule par récurrence, donc il faut calculer U2 et après U3. Donc U2, c'est 3 fois U1 moins 1. 3 fois 5, moins 1. 3 fois 5, 15, moins 1, 14. 14. U3. 3 fois U2, moins 1. Ici, 3 fois, donc on reprend la valeur précédente, 14, moins 1. Donc ici, on aura 42, moins 1, ça fait 41. Donc ici, c'est la réponse C. Alors, attention, ceux qui ont répondu à la réponse D, ici on commence à U1 est égal à 5, et pas U0 est égal à 5, comme la suite précédente. Donc bien entendu, si U0 est égal à 5, bien entendu, si U3 aurait été égal à 122. Mais ici on commence par U1 est égal à 5, donc c'est U3 est égal à 41, donc réponse C. Alors ici, question 9. Donc, on va utiliser pour calculer donc sinus de 2π sur 5 et sinus de π sur 12, on va calculer... on va utiliser donc la formule cosinus carré de A plus sinus carré de A est égal à 1. Donc si on passe le cosinus carré de A de l'autre côté, on va obtenir sinus carré de A est égal à 1 moins cosinus carré de A. Donc on va avoir donc ici
de sinus à calculer. Si sinus de 2π sur 5, on va calculer donc sinus carré de 2π sur 5. Et là, c'est 1 moins cosinus carré de 2π sur 5. On rappelle que cosinus carré de 2π sur 5, c'est cosinus de 2π sur 5 le tout carré. Donc 1 moins racine de 5 moins 1 sur 4 tout carré. Donc fraction au carré, numérateur au carré sur dénominateur au carré. Donc ici, racine de 5, donc 1 moins racine de 5 moins 1 au carré sur 4 au carré, 16. 1 moins, donc ici racine de 5 au carré c'est 5, moins 2 racine de 5, plus 1 sur 16. Alors ici égal, donc sur 16, 16 moins, donc 5 plus 1, 6, 6, moins par moins plus 2 racine de 5. Ici on va trouver 10 plus 2 racine de 5 sur 16, on peut factoriser par 2, 2 sur 16, 5 plus racine de 5, donc si on passe avec la racine carrée, sinus de 2π sur 5 est égal à racine de 2 sur racine de 16 c'est 4, racine de 5 plus racine de 5. Alors maintenant, on va calculer sinus carré de π sur 12 est égal à, alors, 1 moins cosinus carré de pi sur 12. Ou encore 1 moins le carré racine de 2 plus racine de 6 sur 4 le tout au carré. 1 moins sur 16, racine de 2 au carré, ça fait 2, plus 2 racine de 2 fois racine de 6, ça fait racine de 12. Ici, plus racine de 6 au carré, ça fait 6. Donc 16, on va dire 16 moins 8, moins plus, donc ça fait moins, moins 2 racine de 12 sur 16. 8 moins, alors racine de 12 c'est, donc racine de 12 c'est racine de 3 fois 4, racine, donc 2, racine de 3. 2 racine de 3 moins 2, donc 2 fois 2, 4, 4 racine de 3 sur 16. Alors, ici, on va laisser donc sur 16, on va dire que c'est ici 4 sur 16, 2 moins racine de 3. Ici, on obtient donc, si on prend donc la racine, sinus de pi sur 12, on va obtenir 2 sur 4, racine de 2 moins racine de 3. Alors, maintenant, on va exprimer 19π sur 60 en fonction de 2π sur 5 et π sur 12. Alors ici, en fait, on peut dire que 19π sur 60, c'est égal à 2π sur 5 moins π sur 12. On peut vérifier. Donc 2π sur 5 moins π sur 12, on peut mettre sur 60. Si on fait x 12, 2 x 12, 24, 24π moins 5π, c'est 19π sur 60. Donc ainsi, cosinus de 19π sur 60, eh bien c'est égal à cosinus de 2π sur 5 moins π sur 12. Hors formule, ici, c'est cosinus de 2π sur 5 fois cosinus de π sur 12 plus sinus de 2π sur 5 sinus de π sur 12. Donc on a calculé les quatre valeurs présentes dans la formule. Donc rappelons que cosinus de A moins B, c'est égal à cosinus de A fois cosinus de B plus sinus de A fois sinus de B. Donc ici on a égal. Donc cosinus de 2π sur 5, donc c'est racine de 5 moins 1 sur 4. Ensuite fois cosinus de 2π sur 12, racine de 2 plus racine de 6 sur 4, moins, alors plus. Sinus de 2π sur 5, ça fait racine de 2 sur 4, racine de 5 plus racine de 5, fois 2 sur 4, racine de 2 moins racine de 3. Donc ici on va avoir un dénominateur de 16. Donc ici un dénominateur de 16. Et ici on va pouvoir développer
racine de 5 moins 1 fois racine de 2 plus racine de 6, donc ça fait racine de 10, plus racine de 30, moins racine de 2, moins racine de 6, plus. Alors ici, on va pouvoir dire que c'est racine de 10 plus 2 racine de 5, fois racine de 2 moins racine de 3. On a alors, ici, sur 16, donc ici racine de 10, plus racine de 30, moins racine de 2, moins racine de 6. Racine 2, donc ici nous n'avons pas le 2, 2 ici. 2 racine de, donc 10 fois 2, 20. 10 fois moins 3, donc moins 10 racine de 3. Plus 4 racine de 5. Moins, alors ici, 2 fois racine de 3 fois racine de 5. Donc 2 racine de 15. On obtient avec la calculatrice la valeur suivante. Donc ici, racine de 10 plus racine de 30 moins racine de 2 moins racine de 6 plus 2 racine de 20 moins 10 moins 10 racine de 3 plus 4 racine de 5 moins 2 racine de 15. On n'oublie pas de diviser tout par 16. Ici, on divise tout par 16. Et on obtient donc ici 0,5446. On vérifie que ici, on a bien trouvé la valeur de cosinus de 19 pi sur 60. 19 pi sur 60. Et vous voyez bien, c'est 0,545. Donc, on a bien trouvé cosinus de 19 pi sur 60. La valeur exacte, racine de 10 plus racine de 30 moins racine de 2 moins racine de 6 plus 2 racine de 20 moins 10 racine de 3 plus 4 racine de 5 moins 2 racine de 15, du tout sur 16. Alors ici, 10 considère la grille suivante. Donc la probabilité d'alignement, c'est le nombre de choix, de 3 points sur les 9. Donc ça c'est au dénominateur, sur le nombre de points de configuration. La configuration de points alignés. Alors, le nombre de configurations de points alignés, eh bien, elle est simple. Alors, on a les points horizontaux, donc les points alignés horizontalement. Donc là, il y en a 3. Les points alignés verticalement. Et, bien entendu, les diagonales. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Donc il y a 8 configurations de points alignés. Probabilité, eh bien, c'est égal à 8 sur, donc le nombre de choix de 3 points sur les 9. Eh bien ça, c'est coefficient binomial 9, 3. Combinaison 9, 3. On peut calculer ça avec la calculatrice. Donc ici, 8 sur... Donc ici, binomial, dénombrement binomial, 9, donc 9, 3. Donc ici, on va trouver alors 2 sur 21. Donc combinaison 9, 3. 9, 3, ça va être 84, donc 8 sur 84. Donc ici, fraction simplifiée 2 sur 21, donc c'est la réponse D. Quelle est l'équation réduite
de la tangente à la courbe représentative de la fonction f, qui à x associe 1 sur x, quand a est égal à moins 2. Alors, ici, y, donc l'équation de la tangente à la courbe représentative de la fonction f en a, c'est y est égal à f' de a, x moins a, plus f de a. Ici, a est égal à moins 2, et f de x, ici, c'est 1 sur x. La dérivée, c'est moins 1 sur x au carré. Alors, pour retrouver la dérivée, en fait, 1 sur x, si vous ne savez pas, alors, en fait, vous connaissez peut-être la dérivée de x puissance n, qui est n x puissance n moins 1. Or, cette formule, elle est valable pour n entier relatif. Donc ici, 1 sur x, c'est, donc la dérivée de 1 sur x, c'est la dérivée de x puissance moins 1. Donc ici, n égale à moins 1, donc moins 1, x puissance moins 1 moins 1, x puissance moins 2. Donc moins 1 sur x au carré. Donc ça, c'est la dérivée de 1 sur x. Alors, ici, y égale à f' de a, f' de moins 2, moins 1 sur moins 2 au carré. Donc moins 1 sur moins 2 au carré, ça fait 4, moins 1 quart, x moins moins 2, plus 2, plus donc f de moins 2, ici on aura 1 sur moins 2. Donc ici, si on remplace a par moins 2, on va trouver f' de moins 2, x plus 2, x moins moins 2, plus f de moins 2. Y est égal à moins 1 quart de x, moins, donc ici on aura 1 quart fois 2, 2 quarts, 1 demi, moins 1 sur moins 2, donc c'est moins 1 sur 2, 1 demi, moins 1 demi, moins 1 demi, moins 1, moins 1 quart de x, moins 1. On retrouve l'expression sur la réponse A, donc ici, question 11, c'est la réponse A. Alors, considère une variable aléatoire x suivant la loi binomiale, donc binomiale de paramètres 5000, 0,8, ça c'est x, suit la loi binomiale de paramètres 5000 fois et 0,8. L'espérance de x est égale à 5000 fois 0,8. Donc ici, si on fait 5000 fois 8 divisé par 10, en fait, on aura 500 fois 8, donc 4000. On aura 4000. Donc ici, l'intervalle de fluctuation sera centré en 4000. Elle recoupe 99% des valeurs de la loi binomiale de paramètres 5000 et 0,8. On va faire un dessin. Donc un intervalle centré en 4000. Donc ici, on va trouver un intervalle centré en 4000 qui contient 99% des valeurs. Donc cet intervalle va contenir 0, donc 99% des valeurs, donc 0,99. Bien entendu, la totalité vaut 1, donc la totalité vaut 1. Donc ici, on aura une distance, donc c'est 0,01 sur 2. Donc ici, on aura 0,005. Et ici, on aura 0,01 sur 2, qui est égal à 0,005. Donc ici, on aurait probabilité donc A et B, telle que probabilité que X inférieur à A est égal à 0,005, et on aura donc probabilité que X inférieur ou égal à B est égal à 0,995. On peut calculer ces valeurs. Donc ici, 0,005. Donc on va trouver A est égal à 3926. Donc A est égal à 3926. B est égal à 0,995. On a trouvé 4072. Donc l'intervalle de fluctuation, c'est 3925-26 sur 5000 et 4072 sur 5000. On peut le calculer, donc ça c'est i, donc au seuil de 99% bien entendu. Alors 3926 sur 5000,
0,7852 et 4072 divisé par 5, on va trouver 0,8184 et 81,44. Donc c'est ici, c'est la réponse C.